taking flight. We wake up like the spring and the life it brings. The awakening of the world, the flowers unfurled, the eternal song that nature sings. Des petits mandarins, le site internet qui réinvente l'apprentissage du chinois. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des journées internationales des langues qui sont organisées par l'ONU chaque année et qui mettent en valeur les 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies. La journée de la langue chinoise aura lieu le 20 avril avec l'Organisation des Nations Unies et à cette occasion est organisé un concours qui vise à faire des vidéos pour mettre en avant tout ce que vous aimez au sein de la culture chinoise. Donc vous êtes invité, vous, à tourner des vidéos qui vont tourner autour de la culture, la calligraphie, la nourriture, les caractères, des explications de langue. L'objectif, c'est que tout le monde tourne des petites vidéos pour présenter ce qu'il aime et ce qui l'inspire dans la langue chinoise et ce qui donne envie de l'apprendre et afin de donner envie de l'apprendre à d'autres personnes. Charlemagne a dit qu'avoir une autre langue, c'est avoir une deuxième âme. Et bien nous, ce qu'on veut autour de ces vidéos, c'est que vous montrez cette deuxième âme qui vous inspire et qui vous plaît au sein de la langue chinoise. Moi, pour ma part, c'est une langue que j'ai découverte à l'âge de 11 ans. Je suis tombée éperdument amoureuse de cette langue et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier par la suite. China Media Group est organisateur avec l'ONU de cette journée de la langue chinoise et c'est à eux qu'il faut envoyer vos vidéos pour mettre en avant la culture et ce qui vous inspire dans la langue chinoise. Vous avez donc jusqu'au 15 avril pour leur faire parvenir vos vidéos. À partir du 20, vous pourrez regarder directement sur le site de l'ONU et sur les chaînes de China Media Group les vidéos qui ont été tournées partout dans le monde par les apprenants de langue chinoise. J'espère que vous serez nombreux à participer et pour ma part, j'aurai très grand plaisir à regarder l'ensemble des vidéos qui seront proposées ce jour-là en partenariat avec China Media Group et l'ONU.